Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, encore un petit cours, très rapide, comme l'autre fois. Hein, on fait des petits cours, parce que je sais que vous préférez. Donc je me représente, Régis, professeur de français langue étrangère, vous connaissez, ismi Régis, tout ça veut l'oratif français. Antum ta'rifoun, ta'lamoun. Ok, maintenant, on a vu le son. E, vous vous rappelez, EU égale E. On a vu ça au premier cours. Dès le premier cours, on a vu que EU égale E. Je vous avais expliqué aussi que le son E, quand il y avait un R à la fin, par exemple, ça faisait plus E, mais ça faisait E. Par exemple, si tu vas lire, s'il y a le son E, et après le son E, il y a un R, intaqra E, wa barda E, yujadu, R, faqul E. La taqul E, bal qul E. Heure, comme dans l'heure. Est-ce que tu as l'heure, une fleur? On dit pas leur ou fleur, on dit heure, fleur. Pourquoi on dit pas e, mais heure? Parce qu'il y a le r. Ok? Voilà, ça c'était une petite parenthèse, Bayna Kaosein, d'accord? Moraja. Mais, donc, e, hein? E. لا تدم شفتين كثيرا كالفرنسيين عندما يترددون مثلي احيانا اقول هذا عندما نسيت ما اريد ان اقول لكم في الدرس comme moi quand j'oublie ce que je vais vous dire dans le cours des fois ok مثل نفس الصوت بالضبط ok donc une autre façon d'écrire le son et pas e, mais le son en mettant pardon, un o devant. Ok? Regarde bien. Si je mets un o devant, là tout de suite, même s'il n'y a pas le r, ça fait automatiquement Ok? On dort. Huna andana saoutou وليس E. إن أدع O قبل صوتي E عندي E E E. مثل في الكلمة œuf un œuf. OK? œuf بمعنى بيض. Un œuf بيضة. Et on dit des œufs. بيضتون. Un œuf بيض des œufs. Eh oui, ça se prononce pas pareil. Hein? Tu vas rajouter un S. Ok? Allez, je te fais une petite série de mots. Comme ça, tu vas mieux comprendre et mieux pouvoir lire le son. À tout de suite. Donc, le premier mot qu'on a vu, un œuf, bœuf, sœur, cœur, vœu. On va pas dire un vœu, on va dire un vœu. C'est une exception, ça. Un nœud. T'as vu, on ne dit pas un vœu ou un nœud. Ok? Rancœur. Alors, on revient en détail. Narji'u bitafazil. Œuf. Un œuf. Des œufs. Un œuf. Des œufs. Un œuf. Bayda. Des œufs. Bayda. Un bœuf. Bakar. Un œuf, un bœuf, des bœufs. Tu as vu? Un œuf, un bœuf, pardon, wahid, mufrad, des bœufs, jama. Une sœur, des sœurs. Arrêta, l'istithna? Un cœur, une sœur, bimana ourt, wal jama akhawat. Un cœur, قلب واحد دي كور نفس الشيء ان فو دي فو اكس ان نو alors ان فو بمعنى امنيه ان فو امنيه اوكي ان نو دي نو t'as vu on dit pas ne on dit pas veu on dit pas ne un veu un ne ne بمعنى عقده عقده ان نو Rancœur. Ah, j'ai de la rancœur.
Lui, je l'aime pas, j'ai de la rancœur contre, après lui, contre lui. Ok? La rancœur, mais maintenant, al-hiqd. Al-hiqd. Ok? Voilà. Donc, je recommence une dernière fois. Un œuf, des œufs. Un œuf, des œufs. Un bœuf, des bœufs. Une sœur, des sœurs. Un cœur, des cœurs. Neuf touchés. Un vœu. Ah, mais tu nous as dit O-E-U égale E. Oui, mais là, non. Un vœu. Un nœud. Tu nous as dit O-E-U égale E. Oui, mais là, non. C'est comme, c'est en le français. C'est comme ça. Rancœur, parce que ça vient du mot cœur. Rancœur, pareil. Une rancœur, des rancœurs. Voilà, juste que tu saches, hein, ce sont les derniers cours. Donc, on voit les dernières petites exceptions, les derniers petits détails. Et voilà, ça, c'était l'avant-dernier cours avant la communication. Donc, je te dis à bientôt et au prochain cours. Salam alaikum.